Bien, salut tout le monde, c'est Mose Killer. Aujourd'hui, on se retrouve sur la vidéo test du Wiko Goa. Donc là, c'est pas le benchmark ni rien, c'est test de jeu, test de tout ça. L'appareil photo, de tout ce que j'ai dessus. Tout ce qu'on peut faire, hein, vous allez bien voir. Donc, je vais faire le tour du propriétaire. D'ailleurs, déjà, on voit toujours que c'est du Goa, enfin, c'est écrit Wiko. Donc, un appareil photo. Enfin, cette fois-ci, il n'est pas arrondi. Enfin, ici, il a arrondi sur les bords, mais à la base, avant, il n'était pas comme ça. Il était rond. Vous voyez le truc là. Après, bon, ils font comme ils veulent. Hein. C'est smartphone à 40 euros, hein, on va pas se mentir. Au-dessus, on peut retrouver une prise de mini USB. Donc, je crois que c'est ça. Un port jack pour mettre des écouteurs, des casques pour faire des vidéos et tout ça. Sur les côtés, on peut retrouver. Une sorte de moniteur, si je peux dire ça comme ça, pour monter le son et le baisser. Donc, une manette un peu en dessous. Il y a juste un petit micro, je sais pas s'il est bien ou pas. Si j'avais fait des vidéos dessus, j'aurais pu vous dire quoi, mais là, on n'est pas encore autant des vidéos. Là, j'ai envie de le recevoir. Donc, ah putain, on le déverrouille. Oups, non, faites pas attention à ça. Voilà. Donc, déjà, l'appareil photo de base est déjà pas mal. Donc, on peut se mentir, elle est pas mal. L'écran, je veux dire, j'ai dit à l'appareil photo, mais ouais, je dis de la merde en fait. Est-ce que j'ai une application pour vous faire tester? Non, en fait, je vais faire une ellipse et je vais télécharger un jeu, pas tout de suite. Et bien, heureux, donc le jeu n'est pas téléchargé. Alors, par contre, le téléphone a 4 Go, j'ai envie d'y penser. Le processeur, donc on va parler vite fait hein, des petites caractéristiques qui pourraient être très utiles. Donc, ça, c'est la boîte. C'est du dual core avec 1 GHz, donc ça je le savais, mais c'était juste pour que vous voyez sur la boîte. Mais c'est vrai, je le savais vraiment. Par contre, il ne fait pas de focus. La tablette ne me fait pas de focus, c'est un peu gênant. Donc j'ai déjà mis une carte SIM, donc 32 Go, tout ça. Je sais pas si ça va s'installer sur la carte SIM. Enfin, sur ma micro SD. Enfin, sur ma carte SD. Oh putain. Ou quoi, je ne sais pas. Alors, par contre, en fait, ce que je regarde dans la caméra. Attendez. Maintenant. On va descendre ça. Ok, il a installé, c'est super. Ouais, parce que déjà, si tu me plantes dessus, je crois que je sais pas. Alors, c'est épuisant. Donc, déjà, loading. Après, c'est peut-être le jeu qui va ramer. On va bien voir. Donc, il fait cette taille-là. Hein. On peut en tester. Attendez, hop. Et non, d'accord. J'espère qu'il va bien réfléchir. Ça va être difficile. Quick play, ça va être difficile en fait, mais on va tester. De toute façon, on fera un benchmark et on se dira quoi. Attendez, je vais mettre en SPE. Next, on va faire un petit next. Voilà. Excusez-moi parce que je teste vite. Donc, hop, play. Ah, vous allez voir en même temps que moi. Là normalement, c'est bon. Je mets bien la caméra, vous verrez bien. Bon, déjà, par contre, graphiquement, moi, de mon côté, bon, il est pas excellent, par contre. Alors là, vous pouvez voir qu'il est fluide. Je ne joue pas, il est fluide. Je sais que je vais perdre. Il est fluide. Donc voilà, on va laisser le jeu là. On s'en fiche. Un petit test vite fait. Vous aurez un benchmark. Donc, déjà pour 50 euros, par contre, vous arrivez à faire tourner des jeux. J'ai trouvé comme ça en 3D. Hein, par contre, le jeu est en 3D. Il s'appelle. Attendez. Il s'appelle un fortuné Ice. Ok, dites nous moi dans les commentaires si vous l'avez ou quoi. Je peux pas faire une vidéo avec vous comme ça, si vous voulez on pourra parler du téléphone et tout ça. Voilà. Donc j'ai pas grand chose à dire sur ce téléphone. Déjà au niveau du test, donc si vous voulez par exemple enlever les applications comme moi j'ai fait, vous restez appuyé sur le bouton tout à gauche. Vous restez appuyé dessus. Tout sous le doigt. Et là, voilà. Après, vous appuyez dessus pour l'enlever. C'est comme vous le souhaitez. Faites comme ça. Pour enlever un icône, vous restez appuyé dessus. Attendez. En fait, moi, je regarde l'écran de la tablette. Voilà. Donc, ce téléphone, déjà, je l'ai pas goûté. Il n'y a rien. Là, il est vraiment. Vous avez vu qu'il est à neuf. Hein. Moi, ça reste un téléphone. J'ai déjà une tablette. Donc. Pas les routes, je vais pas faire tout ça, mais bon, j'y arrive, mais ça c'est vraiment si
si je m'ennuie, je mettrai Framaroute ou pour faire des lives. Là, sur les côtés, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est comme d'habitude, c'est normal. Voilà. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire. Donc, je vous ferai une vidéo, le benchmark et tout ça. Tout sera fait. Il n'y a aucun problème. Voilà. Allez, salut tout le monde.